Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Dieu notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La Sainte Église célèbre aujourd'hui la fête de Saint Bonaventure, évêque et docteur de l'Église. Saint Bonaventure a vécu au XIIIe siècle et il a été l'ami intime de Saint Thomas d'Aquin. Saint Bonaventure était frère mineur de la communauté de Saint-François d'Assise. Il était le 7e ministre général de cet ordre, éminent théologien. Nous lui demandons d'intercéder pour nous au cours de cette Eucharistie, auprès de la Sainte Vierge Marie, et d'obtenir pour nous toutes les grâces dont nous avons besoin. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre en exemple sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon, mais le Seigneur avait endurci le cœur du Pharaon et celui-ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. » Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Lecture du livre de l'Exode. Dieu avait dit à Moïse, « Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. » Moïse répondit, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, «
Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi au fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi au fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours, c'est le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en âge. Va, rassemble les anciens d'Israël. Tu leur diras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu. Il m'a dit, j'ai décidé de m'occuper de vous et de ce qu'on vous fait subir en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter d'Égypte qui vous opprime vers le pays de Canaan, la terre qui ruisselle de lait et de miel. Ils écouteront ta voix. Alors tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver et maintenant, laissez-nous aller dans le désert à 3 jours de marche pour y offrir un sacrifice au Seigneur, notre Dieu. Or, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'y est pas forcé. Aussi, j'étendrai la main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, Pharaon vous permettra de partir. Parole du Seigneur. Le Seigneur se souvient pour toujours de son alliance. Le Seigneur se souvient pour toujours de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur se souvient pour toujours de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur se souvient pour toujours de son alliance. Dieu prend son peuple nombreux et plus puissant que tous ses adversaires. Cela, il les fait raviser, haïr son peuple et tromper ses serviteurs. Le Seigneur se souvient pour toujours de son alliance, mais il envoie son serviteur Moïse avec un homme de son choix, Aaron, pour annoncer les signes et les prodiges, les miracles au pays de Cham. Le Seigneur s'est souvenu pour toujours de son alliance. Chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Auprès du Seigneur est la grâce, en lui toute miséricorde, près de lui le repos. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur.
Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous venons d'écouter ces paroles de feu que Dieu nous donne en ce moment. Nous venons de nous rendre compte que Dieu, notre Père, se révèle à Moïse. Il découvre à Moïse les richesses de son cœur paternel, sa grande bonté pour le peuple. Il veut les racheter. Absolument. Puis il envoie vers les puissants de ce monde pour leur demander la libération de son peuple. Moïse est un pauvre berger, petit. Il ne sait rien de ce qui va se passer. Il se soumet à son Dieu. Il obéit. Et il se met en route. C'est tout ce que nous retenons. Il sait une chose, Dieu veut sauver son peuple. Et puis, avec Moïse, nous nous rendons compte que dans l'Ancien Testament déjà, Dieu aime choisir ce qui est faible, pauvre, pour confondre les forts, pour confondre les puissants de ce monde. C'est la manière d'agir de notre Dieu. Il plaît donc à notre Seigneur de choisir la pauvreté comme le moyen d'expression de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde. C'est par la faiblesse, c'est par la petitesse, c'est dans l'humilité. Oui, voilà la manière dont Dieu lui-même s'est manifesté par le Christ notre Seigneur, qui, après avoir manifesté sa puissance, sa grandeur, dans les miracles accomplis pendant ses œuvres apostoliques, pendant sa vie apostolique, au moment de nous sauver, il cache sa puissance, il choisit librement la faiblesse comme moyen de nous sauver. Et il se livre aux mains des pécheurs. On le conduit, il se laisse conduire comme un agneau à l'abattoir. Oui, Dieu choisit comme moyen d'expression la plus profonde, la plus concrète de son amour, la faiblesse. Voilà pourquoi il choisit Moïse et l'envoie. Un pauvre petit berger. Ce qui est petit, ce qui est pauvre, ce qui est faible, c'est ça que Dieu choisit. C'est justement ce qui est arrivé ici à Fatima. Quand le Père envoie notre Sainte Mère, que dire de la très sainte Vierge Marie, et qui arrive ici et choisit trois petits bergers.
et par les trois petits bergers, elle révèle la richesse incomparable du cœur du Père. Son amour, sa miséricorde, sa bonté, sa bienveillance pour tous les hommes. Et dès lors, le monde entier se mobilise pour se rendre sur ces lieux et comprendre ce qui s'est passé. C'est à travers les pauvres que Dieu agit. C'est à travers la faiblesse que Dieu agit. Ainsi donc, Dieu aime nous apprendre que nous n'aurons de repos qu'en lui seul. Dieu seul repose l'homme. Le monde ne peut jamais reposer le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile ? Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Le monde n'a pas la capacité de reposer nos âmes. Le monde n'a pas la capacité de reposer nos cœurs. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un personnage céleste comme notre Sainte Mère pour venir nous le redire. Dieu seul repose. Voilà donc l'extraordinaire vérité. Le monde ne peut faire que mettre des fardeaux sur nous pour nous écraser. Par exemple, le fardeau du mensonge, le fardeau des injustices, le fardeau des rivalités, le fardeau de la haine, du mépris, des vaines gloires de ce monde, de la richesse effrénée, de la recherche effrénée, des biens matériels, pensant que ces biens qui passent pourraient rassasier nos âmes. Mais non, ce n'est jamais arrivé. Ce n'est pas cela qui rassasie l'homme. Ce n'est pas cela qui repose le cœur de l'homme. Tout le temps que l'homme cherchera à combler les désirs de son cœur par les biens matériels, il restera esclave jusqu'à ce qu'il retrouve les biens du cœur du Dieu, de notre Dieu de miséricorde. Jusqu'à ce qu'il retrouve le chemin de la vraie vie qui se trouve dans le cœur de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, Jésus, par notre glorieuse Mère, notre glorieuse Reine, nous demande de déposer tous ces fardeaux-là que nous portons devant lui, à ses pieds, et de prendre son fardeau qui est léger à porter. Qu'est-ce qu'il nous propose ? De savoir qu'il y a des choses qui peuvent nourrir nos corps, mais ne peuvent pas nourrir nos âmes. Ce qui nourrit nos âmes, c'est la prière, celle que la Vierge Marie elle-même nous enseigne. Ce qui nourrit nos âmes, c'est la parole de Dieu. Ce qui nourrit nos âmes, ce sont les sacrements de la Sainte Église. Eh bien, tant qu'on n'est pas entré dans cette source, nos âmes ne seront jamais nourries. Et nous aurons ainsi la malnutrition spirituelle. Et nous aurons un déséquilibre dans notre vie. Et on ne se sentira jamais à l'aise. On n'aura jamais de repos. Dieu nous invite à venir vers lui, déposer ses fardeaux et trouver en lui le repos pour nos âmes. Dieu nous donne le repos. Dieu seul nous repose. Saint Augustin disait ceci, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos
tant qu'il ne demeure en toi. Dieu seul repose. Que notre Sainte Mère, aujourd'hui, avec Saint Bonaventure, avec la prière des bergers qui ont donné à ce lieu ce qu'il est, nous donne de nous purifier nous-mêmes totalement, de se voir chercher le vrai repos dans le cœur de Dieu et d'être aussi entre les mains de notre Seigneur comme ces pauvres bergers dont Dieu va se servir pour aller inviter encore les puissants de ce monde à se mettre à genoux aux pieds de notre Seigneur, aux pieds de la Vierge Marie. C'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a le repos. Hors de Dieu, il n'y a pas de repos. Hors de Dieu, il n'y a pas la paix. Hors de Dieu, il n'y a pas le bonheur. Que la Vierge Marie nous sanctifie, accueille toutes les intentions que nous portons dans notre cœur ici et les dépose aux pieds de son Fils, maintenant et pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la fête de Saint Bonaventure. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Nous célébrons les provenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Notre Père qui est saint. Sanctus, Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus Dominus. Deus Sabaoth. Plenus in celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque, l'évêque de ce diocèse. Et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles respectives. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ces nombreux pèlerins venus sur ce sanctuaire aujourd'hui, ou tous ceux qui passent tous les jours ici pour se ressourcer auprès du cœur de la Vierge Marie. Pour tous ceux, tous les membres malades de notre communauté ici présente, tous ceux qui demandent guérison par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, guérison de l'âme et du corps. Pour toutes les personnes qui se recommandent à nos humbles prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, dont Saint Bonaventure, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Oh. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, disons avec confiance la prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Seigneur, donne la paix dans nos cœurs, donne la paix dans nos familles, donne la paix dans ce pays, donne la paix dans le monde entier. Accorde la paix à tous ceux qui n'ont pas la paix en ce moment. Ne regarde pas nos péchés qui sont la cause de nos souffrances et de nos misères. Mais regarde seulement la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici l'intendant fidèle et sensé que le maître a placé à la tête de ses serviteurs pour leur donner, au temps voulu, leur part de blé. Prions le Seigneur. Déjà réconforté par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. En suivant les leçons de Saint Bonaventure, que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait.